C'est immanquable, hein? Magazine de mode, il y a toujours au moins une diète puis une liste de trucs pour maigrir. Ben, d'un autre côté, c'est peut-être logique. Après 100 pages, avoir des mannequins qui pèsent 92 livres mouillés, tu dis « My God, je suis grosse, donnez-moi une diète! » « Ah, il y en a une! » Puis évidemment, pas n'importe quelle diète, hein? Des diètes de vedettes, Jennifer Aniston, Kim Kardashian. Hey, je m'en sacre-tu de sa diète? Elle a un coach de vie, elle a un entraîneur personnel, elle a un cuisinier. C'est sa job d'être belle. C'est comme le truc, là, c'est n'importe quoi, là. Faut que tu mettes une photo de top modèle sur ton frigo pour moins manger puis être belle comme elle. Moi, je l'ai fait, ça, mais tu sais, qu'est-ce que j'ai mis comme photo? Nelson Mandela. Bon, je suis pas plus maigre, mais moi, je suis une meilleure personne, tu sais. De toute façon, j'ai compris, ça donne rien. Faut que tu t'acceptes comme t'es, faut que tu sois zen avec ton corps, puis celui des autres autour. C'est tout. C'est comme ma collègue à côté, là. Elle s'accepte pas, hein. Ah non, son docteur, il a dit, là, faut qu'elle prenne au moins 10 livres si elle veut tomber enceinte. Écoute, elle essaie de manger, elle essaie. Elle sait pas quoi manger pour engraisser. Ben oui, pauvre elle, mon doux. Tu dis de, je sais pas, moi, manger de la marde?